Buisson, vous êtes directeur général adjoint de SED Sud-Est et membre du réseau interprofessionnel des sous-produits organiques. Oui. Vous avez participé au voyage organisé par le RISPO en Italie. Pouvez-vous nous donner vos impressions sur le centre de traitement de déchets de Pinerolo que nous avons visité ce matin? Alors, de ce centre de traitement a son originalité par le fait que cumule les métiers de l'eau, de l'assainissement, des déchets verts, des biodéchets. Donc, c'est un centre qui est assez ancien. A priori, le premier centre de traitement de déchets un peu en Italie, un peu de ce type-là. Ce qui est assez original, c'est vraiment le regroupement de la station d'épuration, du centre de transfert, du centre de traitement des biodéchets, de la méthanisation des biodéchets, mm-hmm. et également de la récupération des biogaz de la décharge qui est à 3 km. Donc on cumule le stockage, la préparation du biogaz de trois origines. Le boue, les biodéchets et également la décharge pour dans un même de stockage avant de l'envoyer actuellement sur un moteur biogaz. Donc, et on peut cumuler de ce fait une grande puissance électrique, parce qu'il y a 3 MW électriques installés. Et voilà, donc trois origines de biogaz pour une même utilisation et une optimisation. Je dirais que ça, c'est un peu l'avantage de que ce site est géré par une collectivité, un service public, la CEA, qui travaille dans la chaîne de l'eau, de l'eau potable à l'assainissement, mais également dans le déchet, puisqu'elle collecte tous les déchets de 47 communes et pour une population d'environ 150 000 habitants. Également dans l'approvisionnement en gaz d'une partie des communes de son périmètre. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en France, puisque les choses sont beaucoup plus cloisonnées entre les métiers de l'eau, des déchets, même s'il y a des grands groupes qui travaillent sur l'ensemble de ces métiers-là, c'est malgré tout encore cloisonné dans ces groupes.